On a toujours fait comme ça. Alors pourquoi changer ? Pense argent. Pense croissance. M'importe les conséquences. Dis ce que tu penses. Mais pas trop. Sois un homme. Mais pas trop. Ne sois ni trop jeune, ni trop vieux. Sans toi, cette entreprise ne serait rien. Quoi qu'il se passe, les autres ont tort. Les solutions, c'est toi qui les as. Le patronat, c'est toi. Porte une cravate et puis mets des lunettes. Ça fait plus sérieux. Fais un chignon. Mets des talons. Hausse la voix. Ils doivent te craindre pour te respecter. Ne te plante pas. Réussis ce que tu entreprends. Le monde en dépend. Le succès. Le succès. Au CJD, tu n'es plus seul et ça change tout. Tu rejoins une association de milliers de dirigeants qui, depuis 1938, met l'économie au service des hommes et des femmes. Tout ce que tu vis, d'autres l'ont vécu avant toi. Partage de bonnes pratiques, d'expériences, des échanges en toute confiance. Être au CJD, c'est s'engager dans un mouvement solidaire à tous les instants. L'expérimentation au CJD, elle est infinie. On organise pas mal d'événements et à chaque fois que je vis un événement au sein du mouvement, je découvre quelque chose et je me dis « faut que je le teste dans la boîte ». Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on passe à autre chose. Et je me rends compte que cet état d'esprit d'expérimentation se diffuse dans la boîte. J'ai de plus en plus de staff qui se mettent à oser, à prendre des risques. Tout se passe comme si on avait enfin compris que ce qui comptait dans l'entrepreneuriat, c'était le voyage. Le CJD, c'est la meilleure école pour apprendre le métier de dirigeant. Parce qu'on ne naît pas dirigeant ou dirigeant, on le devient. Chaque jour, nous encourageons, nous nous formons et accompagnons celles et ceux qui impulsent les transformations du monde de demain. Les formations CJD, c'est des formations à intervalles réguliers tous les ans. Et j'y ai trouvé des moments juste extraordinaires, des moments de communion entre JD avec des formateurs exceptionnels. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs. Au CJD, on ose expérimenter, se transformer, se remettre en question. Nous sommes toujours en quête de nouvelles idées, de nouvelles méthodes pour développer et bâtir des entreprises engagées. Je me suis engagée au CJD parce que j'avais envie de rencontrer d'autres dirigeants, m'inspirer d'autres expériences et au final j'avais envie de tenter d'être une meilleure dirigeante pour le développement de mon entreprise. J'y ai trouvé de l'inspiration pour toujours continuer à progresser dans ce métier de dirigeant qui ne s'apprend pas ailleurs finalement. J'y ai trouvé beaucoup de solidarité. C'est vraiment un espace où on peut échanger en toute confiance et puis un espace aussi de convivialité, ce qui fait du bien souvent dans notre vie hyper intense. Au CJD, nous agissons pour inspirer le monde d'aujourd'hui et de demain. Nous portons une voix différente, la voix de celles et ceux qui osent, s'engagent et bâtissent une société plus inclusive et plus durable. Le CJD, c'est un espace d'influence où on met en place des choses avec des femmes et des hommes qui composent notre association et qui permettent d'inspirer. On n'a pas forcément l'ambition de tout influencer, par contre on a l'ambition d'inspirer pour faire en sorte que le monde change demain. Et c'est ce que l'on fait au quotidien, c'est pour ça qu'on se forme nous-mêmes. Je suis fier d'être au CJD et fier de pouvoir inspirer le monde de demain. CJD. Osons être dirigeants et dirigeantes autrement.